semaine, le programme était destiné à un public très large. Nous avons fait des actions à l'attention des jeunes, avec du théâtre forum pour les collégiens et des ateliers interactifs pour les lycéens et les étudiants. Aujourd'hui, nous avons organisé un stage de self-défense. Les associations féminines qui aident à l'égalité femmes-hommes, qui luttent contre les violences faites aux femmes, sont présentes pour pouvoir discuter avec les gens qui passent à la MJC. C'est des enseignements les plus courants, par exemple des saisies, des arrachements de sac à main, des défenses au sol. Avec les agressions sexuelles, on applique ce genre de défense et de plus en plus. Il y a toujours un risque dans la rue d'agression ou quelque chose comme ça, et du coup je trouve ça important d'avoir des premiers gestes de défense. Là on a appris des gestes vraiment plus efficaces. C'est dès le plus jeune âge qu'il faut éduquer nos enfants. Il faut leur apprendre à lutter contre les stéréotypes et à respecter les femmes et les hommes tels qu'ils sont. Nous allons réfléchir au sein de la ville de Palaiseau à pouvoir former ces enfants à travers des ateliers interactifs dans les écoles, aussi former les personnels qui encadrent ces enfants.